Les gars, le live s'est coupé. Le live s'est coupé parce que le ESCO. Le live s'est coupé parce que quand ça fait une heure, souvent Instagram coupe. Ok, Raphaël. Ouais, je sais pas. Bon, elle là, c'est un petit cas à gérer et tout. Il dit maintenant que le physique est ok, hein, qu'est-ce qu'on fait? Parce qu'on doit finir la mission. Tu as commencé une mission, tu dois finir. Hein, tu dois finir les trucs. Maintenant, tu dois devenir millionnaire. Maintenant, pour devenir millionnaire, ouais. Maintenant, Je ne vais pas te donner tous mes secrets ici, petit. Donne les liens de la formation. Il n'y a pas besoin de trop parler ici. Fais formation là. Tous les groupes, tu m'ajoutes dedans. Pour faire le jet, quoi. Hein? Formation pour faire le jet à Christian Bonnefait actuellement. Il n'est pas encore terminé. Ah bon, hein? Ouais. Mais on peut précommander. Non? Attends, ouais, si tu veux, tu peux précommander. Ok, il n'y a pas de souci. Donne tes DM, moi, je risque. Il n'y a pas de drap. Il y a feuille. Ouais, si c'est ça, son moyen à feuille. Tout ce qui est dans ma tête. Le go à Vienne, moi ça me fatigue maintenant, il refuse maintenant. Ah, il ne veut pas faire comme toi, il ne veut pas soulever quoi. Et ils aiment sa montre. Il dit, ça vient seulement. Ah, même au du même. Il y a une go qui m'a suivi dans le bus. Il dit non, quand même. Oui, souvent, quand les fans de toi, elle te suit. Et puis elle dit, rien ne se mettre à côté en fait. Elle disait comment femme chez un garçon. Elle te réalise quand tu fais rien, il a raté où. C'est quoi? Elles sont bêtes. Ah, maintenant, act like ladies, non plutôt, think like ladies and act like men, c'est ça? Voilà, c'est ça. Ok, y'a pas de souci. Ah, non, t'es dans la forme, petit, soulève ton poids, maintenant, on cherche l'argent. L'argent, ça finit pas. On va chercher que. Est-ce qu'il a depuis les premiers abonnés? Non, il sait. Il sait. Les gars, allez vous abonner chez lui aussi, vous allez voir. Hein. Ouais. Vous allez voir que c'est réel, hein. Il s'est transformé comme un malade. Non. Oh, voilà. À tout ce qui applique, il n'y a rien à dire en fait. Si tu es chez ta vie, vas-y. Claire, tout ce qui applique, ils savent que ça marche. Non. Et dis-toi, il n'y a pas trop parlé. C'est bien sûr, il y a fou. Ok, à fond, on va parler ensemble. Non. Tout à l'heure, c'est prêt. Ouais. Les gars, venez envoyer la demande. Il n'y a pas de demande. Ok, merci TikTok. Il n'y a aucune demande là. Et merci TikTok. Tous ceux qui veulent là, allons sur TikTok. Là-bas, les filles ont boumé aussi. Allons sur TikTok. Allons sur TikTok, les gars. C'était mon temps. Je vous aime. Ah, il y a une demande. Une demande. Ouais, allons sur TikTok. Est-ce qu'on t'avait appris voir TikTok? Attends, qu'il y a lui et bien ça va. Allô? Ouais, viens. Ça va ou quoi? Ouais, ça va. Ouais, je t'appelle parce que j'ai un problème à mon travail, là, tu vois. En fait, à mon travail, j'ai beaucoup de nanas que j'ai déjà mon goût, tu vois. Mm-hmm. Et il y a une nana, là, qui vient d'arriver et chaque nana qui arrive à mon travail, elle connaît ma réputation, tu vois. Et en fait, là, il y a une nana, elle, au début, je l'ai ignorée, tu vois, je l'ai beaucoup ignorée. Elle, après, j'ai remarqué qu'elle m'aimait bien parce qu'elle rigolait avec tout le monde. Mais sauf avec moi, elle rigolait pas, tu vois. Ok. Et du coup, j'ai continué à l'ignorer. Après, c'est elle qui a commencé à faire le pas, tu vois, qui est venue pour me demander. Elle me dit, ouais, je sais que toi, t'aimes bien les meufs et tout. Je sais que tu m'aimes bien, mais toi, je sais pas si tu m'aimes bien. Bref, plein de conneries comme ça, tu vois. Et du coup, elle m'a demandé de lui montrer que si je l'aimais bien, elle m'a demandé de lui montrer plus. Donc, j'ai montré plus. Mais moi, j'ai l'habitude que les filles me courent après un peu, tu vois. Et là... Je suis pas confortable dans ma drague, tu vois, parce que des fois j'ai l'impression que toi en fait elle a un bon game, tu vois, elle a vraiment un bon game. Et du coup, elle a fait un truc qui fait que je l'aime plus que les autres, tu vois. Mais elle a un coup. Parce qu'elle est en train de jouer ton esprit et puis toi aussi tu rentres dans son jeu. C'est ça. Mais comment elle peut te dire montre-moi que je te plais et puis toi aussi tu lui montres. Tu lui as montré ça comment? En faisant quoi? Non, en fait, je l'ignorais en fait. À la base, je l'ignorais, mais toutes les autres filles. Je draguais un peu, tu vois, je rigolais. Et en fait, elle, j'ai commencé à faire comme les autres. Parce qu'en fait, elle me disait, ouais, toi, tu traites les filles toutes pareilles. En fait, je les traitais pareil que les autres, tu vois. Je ne l'ai pas montré, je n'ai pas fait le canard, tu vois. J'ai juste commencé à jouer comme je jouais avec les autres filles. Le problème, c'est qu'elle, je pense qu'elle est plus dangereuse que les autres filles, tu vois. Oui, parce qu'elle sait qui tu es. Donc, elle va s'enducer pour te montrer la vraie vie. Donc, elle est en train de s'enducer. Donc, toi aussi, tu vois que non, elle a du game, elle est difficile. Donc, ton cerveau commence à vouloir forcément la débloquer. C'est ça même. Donc, depuis là, tu n'arrives pas à t'en foutre. Ce qui fait que tu n'es plus toi-même. C'est ça. Tu joues un rôle. Ben,
En fait, je l'ignore, tu vois. Je l'ignore. Mais c'est cette ignorance-là, c'est une ignorance, c'est un rôle. Elle a déjà senti ça. Non, au début, je l'ignorais vraiment, tu vois. Au début, je l'ignorais vraiment. Mais là, en fait. Mais quand elle a essayé de parler, tu t'es ouvert. Hein? Quand elle a fait le premier pas, tu t'es ouvert directement. Non, même pas. En fait, elle a fait le premier pas il y a 2 mois en arrière. Tu vois, elle est venue, elle m'a dit comme ça, dans ma tête, elle m'a dit comme ça, elle m'a dit, moi, je t'aime bien. Et moi, je n'ai même pas répondu, je ne l'ai pas dit que je l'aimais bien, tu vois. Parce qu'en fait, cette fille-là, je ne la regardais même pas à la base. Ok. Je ne la regardais pas. Mais là, tu vois, j'ai l'impression qu'elle est entrée dans ma tête et ça me... Parce que quand elle est venue à toi, au début que vous avez commencé à parler, elle était dans une énergie féminine, tout. Bon, en fait, je sais pas, parce que c'est venu de nulle part, tu vois. La fille, je parlais pas avec elle, elle est venue, elle commence à me faire rentrer dedans. Ok, mais moi, la conversation au début, c'était tranquille, c'était smooth, ça partait bien, tout. Vous entendez bien? Non, je parlais même pas avec elle, en fait. C'est juste qu'en fait, ma réputation qui a parlé pour moi, tu vois. Parce qu'en fait, chaque fille qui arrive, eh ben, elles savent que j'ai une réputation. Donc, en fait, même si je dis juste bonjour. Tu m'entends pas. Ta réputation a parlé pour toi. Mais après, elle est venue vers toi pour que vous commenciez à discuter. Ouais. Et quand vous avez commencé à discuter, automatiquement, tu t'es ouvert, tu as commencé à être cool. Ouais. Tu comprends un peu? Ouais, je comprends ce que tu veux dire. À faire, non? Ouais, j'ai... Ouais. C'est là qu'elle a compris que toute cette ignorance que tu faisais au début, là, c'était de la plaisanterie, tu la voulais. Bah, en fait, je pense qu'elle ne sait pas à quel point je l'aime bien, tu vois. Elle sait très bien à quel point tu l'aimes bien. Elle sait. Parce qu'elle me voit avec les autres filles. Même là, c'est à cause d'elle pour la rendre jalouse que tu fais ça. Moi, je elle sait pas, très bien. Parce que toutes les filles, elles savent ma réputation, quoi. Oui. Tu vois. Et du coup, elle lui parle à elle. Et moi, je pense qu'elle lui parle. Mais je pense qu'elle. Ok, continue. Vas-y, dis-moi. Il était fait que comprendre quelque chose. Il était dit, les autres filles ont dit ta réputation, il n'y a pas de problème, tu lui plais. Mais elle est en train de te montrer le vrai game. Et ce vrai game-là, pourquoi elle applique sur toi? Parce que la première fois où elle a tenté de te parler, automatiquement, tu l'as accepté. Non, comme je t'ai dit, je ne l'ai pas accepté, je ne l'ai même pas parlé. Elle m'a dit, je t'aime bien, moi, je ne l'ai même pas répondu. Après, 2 mois après, elle est revenue et elle a commencé à me taquiner encore plus pour dire que moi, je traitais toutes les filles pareilles, tu vois. Et après, ben là, je lui ai montré, tu vois. Je lui ai montré que je l'aimais bien. Ok. Et quand tu lui as montré que tu l'aimais bien, ouais, le Marcus, c'est comme mon frère. Quand tu lui as montré que tu l'aimais bien, elle a commencé à prendre ses distances. Elle a commencé à copier mon game, en fait. C'est-à-dire que Elle a compris que tu l'appréciais. Et c'est parce que tu l'appréciais qu'au départ, tu faisais semblant de l'ignorer. C'était pas une ignorance inné, c'était pas quelque chose que tu faisais délibérément sans y penser. Elle a compris que tu le faisais de manière volontaire. Tu comprends maintenant? Et comme elle a compris que tu le faisais de manière volontaire, elle aussi va rentrer dans ce jeu-là pour commencer à te lancer des frappes. Ça s'appelle le love bombing. Au début, elle paraît intéressée. Et ça t'a mordu. Donc toi, tu as commencé aussi à montrer de l'intérêt. C'est ça? Ouais. Maintenant, elle prend distance. Non, pas de distance. En fait, c'est moi qui suis perdu. Elle ne prend pas de distance. Elle est là, elle est contente que je la drague, tu vois. Mais moi, je n'ai pas l'habitude de draguer. Pour moi, c'est... En fait, elle est rentrée dans ma tête, tu vois. Bon, ok. Comment tu la dragues? Tu la dragues en faisant quoi? Ben, je lui envoie des frappes, mais tu vois, des frappes qu'elle ne peut pas prendre au sérieux. Sérieux, les femmes, tu vois. Quand je parle, elles ne peuvent pas me prendre au sérieux, mais elles aiment, tu vois, quand je leur parle comme ça, mais c'est pas sérieux, tu vois. C'est plein de blagues. Pas plein de blagues, mais je lui envoie des... tu vois, des compliments ou je la taquine et du coup elle me taquine aussi devant les autres, tu vois, elle me dit ouais moi j'aime tout le monde sauf toi, tu vois, devant tout le monde, des trucs de gamin, tu vois. Ok. Mais moi mon problème là c'est que tu vois elle a un copain, tu vois, et moi là je sais pas, en fait je sais pas si... comment dire ça, ouais je sais pas quoi faire. C'était exactement son objectif. Elle est dans ta tête maintenant. C'est ça. Et ce qui va se passer, c'est que comme elle est dans ta tête, tu ne vas plus pouvoir te contrôler. Tu as trop montré d'intérêt. Tu comprends? Tu as trop montré d'intérêt. Parce que
au début, quand tu l'ignorais, tu étais dans la position où c'est elle qui cherchait ton attention dans le coin. Ouais. Tu te souviens de cette partie-là? Ouais. Elle cherchait ton attention dans le coin. Et elle cherchait ton attention, laisse-la venir à toi petit à petit. Elle t'a parlé une première fois, tu as ignoré. Comment elle arrive à te dire, à te demander, comment elle arrive à te dire que tu lui plais? Comment elle arrive à te dire ça dès le premier contact? C'est qu'il y a eu quelque chose, ton image ou bien ton énergie a montré qu'elle peut être à l'aise en te disant tu me plais. Parce que moi aussi, je suis dans un endroit et que j'ignore une personne, soudainement, elle ne peut pas se lever comme ça et me dit que je lui plais. Tu as ouvert la porte. Ok, alors je t'explique. En fait, je l'ignorais à la base. J'étais très gentil avec elle la première fois que je l'ai vue, tu vois. Après, je l'ai ignorée parce que être avec une nana qui parle toujours de moi en mal, tu vois. Et comme je l'ai vu qu'elle traînait avec cette nana-là, j'ai dit, bon, elle, je vais pas l'approcher, c'est mieux. Et c'est juste pour ça, en fait, que je l'ai ignorée à la base. C'est pas parce que je l'aimais bien, c'est parce que j'ai vu qu'elle traînait avec cette fille-là, tu vois. Mais après, elle vient, juste je lui parle avec elle a l'impression que je flirte, tu vois. Et elle me dit, arrête, elle me dit. Et moi, je dis, quoi? Tu vois, moi, je suis naturel, tu vois. Qui dit ça? La nouvelle, là? La nouvelle, ouais. Elle te dit, arrête. Ouais, je dois. Parce qu'elle a l'impression que tu flirtes avec elle. Ah bon? Ah ouais, je t'assure. Mal. Bon, comment tu qu'est-ce que tu as dit pour qu'elle dise ça, en fait? Ah, je te jure que je dis absolument rien. Je vais parler juste avec elle. Et en fait, même moi, je comprends pas. Parce qu'elle me dit, ah, elle me touche, elle me dit, ah, arrête et tout ça. J'ai dit quoi? Elle me dit, non, laisse tomber. Tu vois? Tu as son contact. Non, j'ai pas voulu prendre son Instagram ni son numéro. J'ai pas voulu prendre. Donc, vous voyez seulement au travail? Au travail, une fois, je l'ai croisé dehors. Une fois, on a parlé. C'était vraiment chaud dans les yeux, tu vois? Et elle m'a dit qu'elle avait son copain. Après, ah oui, je t'explique. Elle est venue me voir. Elle m'a dit, ouais, moi, je veux que tu me montres. J'ai dit, écoute, toi, je sens que t'es nana, qu'il faut que j'évite. J'ai dit, écoute, j'ai dit, t'as un copain? Elle me dit, ouais. J'ai dit, tu l'aimes? Elle me dit, ouais. Je dis, hey, tu sais quoi? Va avec ton copain tout droit. Parce qu'en fait, moi, je t'explique. Moi, je suis divorcé. Et j'ai pas envie de me remettre en couple, tu vois. Parce que c'est ça, en fait. Je voulais pas me remettre en couple. C'est pour ça que je me goûte plein de nana, tu vois. Parce que j'ai pas envie de me remettre en couple sérieusement, tu vois. Donc, et elle, je sais que c'est une nana qu'il faut que j'évite. Parce que sinon, je pense que c'est une nana que je vais vouloir vraiment, tu vois. C'est le vrai problème qu'elle a. C'est une nana que tu vas vouloir vraiment. C'est à cause de ça que... Parce que ce que tu dois comprendre, dans le dating, là, c'est une question d'énergie. Et quand tu commences à l'aimer, comme tu ne sais pas jouer le jeu, elle sent l'énergie, elle sent que tu l'apprécies. Elle est belle. Ouais. Elle sait ça. Elle sait l'effet qu'elle a sur toi. Parce que tu fais ça. Semblant, mais tu ne le fais pas bien, donc automatiquement elle capte que lui là c'est une plaisanterie, il s'amuse, je vais faire comme si il ne me plaît, je ne lui plais pas, mais au fond je sais que je lui plais, donc il va me contrôler, parce que au départ quand il ignorait, elle n'arrivait pas à se contrôler, elle venait vers toi, mais depuis qu'elle a commencé à te parler, toi maintenant comme elle te plaît, tu as commencé à trop sourire quand vous parlez. Ouais, c'est ça. Tu sais ça, non? C'est que quand vous parlez, tu souris beaucoup. Je rigole beaucoup. Pas avec elle. Je rigole avec les gens, mais pas forcément. Ouais, je mais quand tu lui parles, tu parles tranquillement. On sent que tu aimes la conversation. Ouais. Et elle sent ça. C'est par ces petits signes-là qu'elle arrive à comprendre que ce gars-là, il m'apprécie. Quand tu lui parles, tu souris, tu es ouvert à la conversation, tu parles de tout et de rien, tu es ouvert. Elle comprend que, ah bon, il commence à m'apprécier. Normalement, quand tu parles à ce genre de femme-là, tu dois être stoïque. Tu parles tranquillement. Comme Hitman. Parle comme Hitman, c'est exactement ça. Tu as regardé Hitman? Ouais. Tu parles comme Hitman. Tu es bref, précis, concis. C'est là que la femme, malgré que tu l'apprécies, tu es bref, précis, concis. C'est maintenant que la femme commence à se mettre dans une position où elle veut être draguée. Et cette position de où elle veut être draguée, tu ignores complètement. Elle va pousser encore. Vous ne voyez pas que quand vous les ignorez, elles viennent à vous. Mais pourquoi que tu ignores quelqu'un, elle vient à toi? Pourquoi tu ne continues pas de l'ignorer pour qu'elle appuie encore? Bah, je me dis que tu vois, là, elle m'a montré beaucoup de choses, tu vois. Elle m'a déjà montré beaucoup qu'elle me voulait. Et moi, je me dis, il faut que je fasse le step, tu vois. Non, les femmes sont à l'aise quand elles te poursuivent. Elles te poursuivent. Et toi, tu t'es retourné pour la poursuivre. Maintenant, un coup. Ouais. Maintenant, tu paniques. Ben, je panique parce qu'elle est dans ma tête. Ah. C'est pour ça que je panique. Mais je sais qu'elle veut. Il n'a pas dit qu'elle veut pas. Elle veut. Elle veut parfaitement de toi.
Tu comprends un peu? Elle te veut. Mais le fait que toi, tu sois trop content, ça va faire qu'elle va jouer longtemps. Si tu avais dit, tu t'étais géré, elle allait vite se donner. Mais vu qu'elle a compris qu'il me veut aussi, elle va mettre du temps. C'est à cause de ça que ça force ton mental. Et elle est capable de te faire avouer tes sentiments et tes promesses. Quand tu sais que tu étais sur le point de faire ça. Ouais. Quand tu sais que tu étais sur le point de faire ça. C'est vrai, c'est vrai. Ah. Je n'ai pas fait. Je n'ai pas fait. Là, vous venez me blaguer qui même. Moi, on ne me blague pas. C'est bien fait. On aime bien. Oh putain. Donc, tu étais sur le point d'avouer tes sentiments. Il faut faire ça. Tu as voir. Si tu as fait ça, là, tu as voir un autre visage d'elle. Non, j'étais sur le point, mais je ne l'ai pas fait parce que je me suis dit, ah bon, tu vois. Pas de problème. La solution est dans ma formation. C'est un chapitre. C'est le love bombing. Va dans ma biographie. Sur Instagram, il y a un lien là-bas. Tu peux cliquer dessus. Tu vas prendre la formation. Tu vas aller regarder. Il y a quasiment 50 vidéos dedans. Tu vas comprendre ce qui t'arrive. Ça marche. Ok, il n'y a pas de problème, mon gars. On est ensemble pour toi. Merci beaucoup. Peace. Ciao. Les filles vont attraper. C'est rapide. C'est rapide. Quand elle commence à comprendre que tu es fan d'elle, même quand. Au début, tu étais tranquille, tout. Quand elle commence à comprendre automatiquement que lui, là, il est intéressé, fou, tu es mort. Tu es mort. Même quand la amoureuse commence à apprendre, il a avoué ses sentiments. Il partait avouer ses sentiments. Lui dit, mais qu'est-ce que tu m'as fait? Tu sais qu'il était plein, non? Tu me plais, non? C'est là même que tu allais la perdre, même. Allô? Ouais, allô? Ouais, mon frère. Est-ce que tu peux parler un peu plus fort comme un homme? Ouais. Okay. D'accord, allons-y. Ouais. Du coup, en vrai, il m'est arrivé un peu la même chose avec une meuf du taf et tout. Ok. Bon, pour te mettre dans le contexte, okay. J'ai commencé à travailler fin novembre, début décembre. Okay. Et sur le début, je ne calculais pas les meufs. On va dire ça comme ça. Il y en avait, elles venaient et tout, mais genre, je les calculais pas. Ok. Et il y en a une en particulier, genre, au début, elle s'énervait justement que je l'ignore. Elle, justement, apparemment, elle me trouvait arrogant. Ok. Du coup, bon, le temps défile et tout, et à un moment, justement, je me dis, bon, on va essayer de voir ce que ça donne. Ça peut donner quelque chose d'intéressant. Ok. Du coup, le temps passe, on continue. Et dis-toi, un jour, j'étais en caisse avec un de mes collègues et on s'était vu sur en ville et j'étais accompagné d'une meuf justement. Et il sort ça et la meuf justement du taf, elle était juste à côté. Elle entend ça et là, elle commence justement à taper une crise de jalousie. Elle commence à demander c'est qui la meuf et tout. Mais dis-toi, il n'y avait rien justement entre nous. Genre, c'était vraiment. Je l'ignorais vraiment, tu vois, à ce moment-là. Okay. Voilà. Du coup, le temps continue et je commence justement à m'intéresser à elle. Oh. On parle. Et je prends son snap. Justement, chose que je ne voulais pas faire. Vous êtes dans le même travail, non? Ouais, c'est ça. Ça ne sert à rien de prendre le numéro des femmes que tu vois tous les jours. Que tu vois régulièrement. Vous êtes dans le même milieu. Quand tu la vois, sois charmant. Drague-la vis-à-vis. En fait, tu n'as pas besoin de prendre son numéro. Ouais. En fait, alors, c'est quoi on se voit juste chaque samedi. Mm-hmm. Tu vois. Du coup, mm-hmm. Je me suis dit, les choses n'avançaient pas assez vite à mon goût. Mm-hmm. Voilà. Tu t'es dit, les choses n'avançaient pas vite. Voilà, c'est ça. D'accord. Du coup, en fait, j'avais pas capté. Comme c'est toi qui fais avancer les choses là. C'est pas toi qui fais avancer les choses, c'est la femme. Donc, quand toi tu veux faire avancer les choses, la seule chose que tu peux faire, c'est aller lui dire, tu me plais bien, j'aimerais qu'on soit plus que des amis. C'est ça, non? Ouais. Ouais. Tu as fait ça? Non. En fait, bon, attends, je termine. Du coup,